insérer l'indentation manquante. Ici, vous voyez, on met un seul espace. Ça sera la bonne réponse si j'exécute. Oui, c'est la bonne réponse. Cependant, comme j'ai dit, par convention, ils disent de mettre 5 espaces. Ou d'autres disent d'en mettre 1, 2, 3. 3 espaces. Comme ça, la personne voit qu'il s'est indenté. Il voit que ce print-là est à l'intérieur du if. Python comprend que le print est à l'intérieur du if. Que c'est seulement si cette condition est respecter qu'il doit exécuter ce print-là. Utiliser mettez cette condition sur une seule ligne. On peut l'écrire comme ça. On l'écrit sur une ligne. Ça s'écrit. Et comme vous voyez, j'ai mis un espace ici. Je vais voir, est-ce que quand je mets pas l'espace, ça marche? Oui, ça marche quand même. Le truc est de mettre sur la même ligne. Quelquefois, lorsque la condition est seulement une ligne de code, on met sur la même ligne. Quand c'est plusieurs lignes, oui, là, on descend. On l'écrit comme ça avec un espace, avec des espaces plutôt. Et on va écrire tout ce qui doit se passer quand la condition est respectée. Mais quand c'est une ligne, la plupart du temps, on met sur la même ligne comme ça. On met la condition, si c'est respecté, voici ce qu'il faut faire, c'est tout. Ici, utiliser. La bonne méthode pour utiliser pour écrire ce truc-là en une seule ligne. Comme ça. Oh, voici comment ça s'écrit. Ça s'écrit comme le langage parlé. Pour l'écrire pour écrire en une ligne if et else, ici ils disent print quelque chose if cette condition est respectée, else print autre chose. Ici vous voyez, il n'y a pas de deux points, il n'y a pas de question d'espacement exagéré. Non. Ça s'écrit comme ça se dit. Print cette chose-là. If ça c'est vrai. Else sinon, print cette chose-là. Là, je ne l'ai jamais encore vu. Je n'ai jamais encore rencontré cette façon d'écrire if ou else. La plupart du temps, c'est l'escalier que je vous avais montré. Mettre if, deux points, quelque chose. Ensuite, else, deux points, quelque chose. Mais on peut l'écrire en ligne comme ça pour ne pas trop s'étendre. Parfois, quand c'est trop long, quelquefois difficile à comprendre. Les loop while. Dit afficher i tant que i est inférieur à 6. Pour une boucle while, pour déclarer une boucle while, on met while seulement avec les deux points. Ça veut dire tant que i est inférieur à 6. Voici ce qu'il faut faire. Print i. Et fait i plus égal à 1. Ça veut dire incrémente i. I était égal à 1. Maintenant, on lui ajoute 1. Il devient égal à 2. Et on revoit la condition. Est-ce que 2 est inférieur à 6? Oui. Donc, il affiche 2. Et il ajoute 1. I égale à 3 maintenant. Ainsi de suite jusqu'à ce que la condition ne soit plus respectée. Pour arrêter une boucle, pour sortir d'une boucle, on écrit le mot clé break.
Brick, ça veut dire si cette condition est respectée, si i égale à 3, alors n'exécute plus le while. Sort du while. Break, c'est le mot-clé qui permet de faire ça. Et 10, lorsque i égale à 3, si on veut, on dit si i égale à 3, on veut passer au suivant. Ici, on met continue. Comme ça, continue. Ça veut dire quand x égale à 3, passe à la valeur suivante. C'est avec le mot-clé continue qu'on fait ça.